Le temps s'est arrêté dans cette EHPAD de Buxerolles, suspendue aux résultats de 60 tests Covid. Ici, le virus a déjà touché 22 personnes et pourrait faire d'autres victimes. C'est dans un premier temps des résultats vendredi qui ont été reportés à samedi, puis à aujourd'hui. On reste très confiant en se disant que demain, probablement, nous aurons ces résultats. C'est une pression supplémentaire sur les épaules des salariés de l'établissement. C'est un stress engendré pour les familles et les résultats qui sont en attente de ces résultats. Suite à la détection des premiers cas, tous les résidents avaient été testés jeudi. Par mesure de précaution, ils restent confinés dans leur chambre et ne peuvent donc plus recevoir de visite de leurs proches. En une semaine, le virus a brutalement isolé les 86 résidents de cette maison de retraite, jusqu'ici épargnés par la crise sanitaire. On essaie d'être extrêmement prudent et l'établissement n'a pas échappé à la règle. Toutes les mesures de prudence ont été mises en place. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on n'échappe pas à ce virus qui est assez présent aujourd'hui et pour lequel on continue le combat. Parmi les cas positifs, 11 résidents mais aussi 11 personnels soignants. Ce bilan provisoire devrait s'alourdir d'ici à 24 heures quand l'établissement recevra enfin le résultat des tests.